الجزائري ليعطي الكلمة افتتاحية وترحيبية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الترحيب لجميع الضيوف الكرام، سي الرئيس، سي نائب رئيس الجهة، أصدقائي وإخوتي رؤساء ومدراء وعمداء المؤسسات الجامعية، السيد المدير العام للمستشفى الجامعي محمد السادس، إخوتي الأساتذة، وكذلك جميع الإخوة والأخوات المكونين للطاقم الإداري الكلية، وأعزائي الطلبة. هذا الحفل بغيناه باش نرجعوا للعادات اللي كانت جراتنا كلية، باش تقيم كل سنة حفل سنوي. وهذه العادة هذه كانت عرفت واحد انقطاع السنة الفائتة لأسباب تعرفونها كلكم. Je vais continuer mon mot en français. Après les remerciements et le mot de bienvenue. Donc, je disais que l'objectif primaire de cette cérémonie était de primer les plus méritants parmi les étudiants et les plus méritants aussi parmi ceux qui ont soutenu leur thèse de doctorat en médecine. Bien sûr, j'aurais aimé que tous soient primés, parce que je considère que quand on démarre des études pareilles après avoir été sélectionné comme on l'a été, eh bien, on est tous a priori très bons. Donc tous doivent être primés. Mais comme on ne peut pas le faire pour tout le monde, on le fait pour quelques-uns. C'est quelques-uns parmi eux. Donc, cette cérémonie vient renouer avec une habitude qui était de l'organiser chaque année, mais l'année dernière, malheureusement, on n'a pas pu le faire pour les raisons que vous savez. Et maintenant, nous revenons et à quelque chose, malheureusement, parce que je pense que vous avez tous vécu l'épreuve dont je parlais tout à l'heure, et il me semble qu'on en est sortis tous plus forts qu'on était. Tous, c'est-à-dire enseignants, étudiants, et les gens qui font une analyse fine de ce qui s'est passé peuvent vous le confirmer. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous le confirmer plus tard et de vous l'expliciter plus tard. Ça, c'était l'objectif primaire. L'objectif secondaire de cette cérémonie, c'est de rappeler quelques vérités. Et je le dis bien entendu à ceux qui démarrent dans le parcours, mais aussi à ceux qui sont déjà arrivés et ceux qui sont sur le point d'arriver. Donc ces quelques vérités, elles peuvent sembler évidentes, relevant de la palissade, mais je veux quand même les dire, parce qu'il est important de la rappeler. Les études médicales préparent un métier. Et elle prépare un métier qui n'est pas comme les autres. Un métier dont on dit qu'il est noble, à juste titre. Sauf que, si Brahms l'a dit tout à l'heure, malheureusement, force est de constater que ce métier perd un peu, je ne dirais pas beaucoup, de ses titres de noblesse. Et j'aimerais tant, je souhaiterais tant, que ces titres de noblesse soient retrouvés un peu. Et moi, je compte sur les générations qui manquent pour cela. Parce que c'est des générations qu'on peut façonner, pourvu qu'ils trouvent, disons, le contexte, pourvu qu'ils trouvent les conditions. Ces générations peuvent être façonnées pour justement rendre à ces métiers ces titres de noblesse. La formation en médecine, la formation au métier de médecin, elle se fait bien entendu à la faculté, mais pas que. À la faculté, surtout au premier cycle, je le dis pour les premières années par exemple, eh bien, on inculque les rudiments de ce qu'on appelle le préclinique, histoire qu'après, les gens acquièrent véritablement les bases du métier. Et on acquiert les bases du métier où on les acquiert au contact des autres. Alors quand je dis les autres, c'est d'abord les malades. Ça veut dire qu'il faut voir beaucoup de malades pour pouvoir acquérir le métier. Et pour voir beaucoup de malades, il faut, ça je le dis pour tous les étudiants, il faut, on va dire, changer un peu de philosophie et arrêter de penser que quand on est
à la faculté de médecine, le but ultime est de réussir ses examens et de passer ses années. Ben, le but, en fait, c'est quoi? C'est d'acquérir ce métier et on l'acquiert, je disais, au contact des malades auxquels on doit d'abord et avant tout le respect. Je parle souvent d'éthique à des occasions diverses et je dis que le premier principe de l'éthique, c'est le respect de l'autre. Dans l'occurrence ici, c'est le respect du malade. Donc je voudrais que ceci soit intégré de façon définitive. Et c'est au contact des malades avec eux que nous apprenons notre métier. Donc, nous leur devons énormément. Le métier s'acquiert au contact d'autres personnes, pas seulement les encadrants enseignants, mais d'autres personnes, toutes catégories confondues, dans des structures hospitalières, de quelque niveau qu'elles soient. Ça veut dire que quand on est à l'hôpital, ben on apprend auprès de l'infirmier, on apprend auprès du directeur, du résident, du professeur d'enseignement supérieur, de l'apprécieux, ainsi de suite. Je dis ça parce que les étudiants en médecine, en général, sont obnubilés par la réussite aux examens. C'est pour ça que je voulais dire que quand on prime les meilleurs, c'est bien. Il ne faut pas qu'on perde d'esprit que les meilleurs que nous primons parce qu'ils ont réussi leurs examens excellemment ne sont peut-être pas forcément les meilleurs s'agissant du produit fini. J'espère que c'est le cas, que ce sera le cas. Mais enfin, le produit fini, lui, il ne dépend pas de la réussite ou de la seule réussite aux examens de fin d'année. Il dépend de ce qu'on a fait pendant tout le parcours et surtout pendant tout le parcours dans les structures hospitalières. Je ne veux pas, je n'aime pas que des étudiants viennent me voir pour me dire « Ah, on m'a invalidé un stage parce que je me suis absenté 3 ou 4 ou 5 jours. » Non, ça ne doit pas exister. On peut invalider des cours, on peut ne pas assister à des cours, mais jamais on ne doit invalider un stage. Il faut que ça soit une règle absolue. Et même quand le stage se passe dans des conditions difficiles, on peut comprendre, eh bien, je suis étudiant de médecine, je suis en formation, je reste là. Quitte à ne rien faire de l'ennemi. En fait, quitte à ne rien faire, il y a toujours quelque chose à faire. Ne serait-ce que qu'aller parler aux malades. Vous savez, le fait de parler aux malades et de leur tenir la main, c'est déjà énormément de choses. Et donc, j'espère que plus jamais, on ne viendra me demander de régler un problème de stage à titre. Un stage ne peut être invalidé que pour force, que pour, comment on dit, force de force majeure. Merci, c'est une précaution. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça, bien sûr, pour que vous l'intégriez. J'espère que je ne me rabâche pas, n'est-ce pas, des choses que j'ai dites et que j'ai redites. Voilà. Je vous souhaite donc tout le bonheur que vous méritez. Bravo à ce que vous avez accompli. Bravo à vous tous. Merci encore une fois d'être tous là. Et Samine, la suite.